Salut tout le monde, bienvenue à l'auto show de Momo. Le premier auto show à vie. On est au mois de mars, fait frette au Québec, les routes sont sales, les voitures sont en pleine hibernation. Ben oui, au Québec, un auto ça peut hiberner. Écoute, je pourrais pas te parler de voiture aujourd'hui parce que le type de voiture que je veux te parler, ben malheureusement, ça roule pas l'hiver. Par contre, on va te parler du concept de l'émission. Je voulais faire une émission qui était pas comme les autres, tu sais, pas trop technique. Je voulais qu'on parle de cœur, de passion de la voiture. Donc, j'ai décidé de parler de voitures originales. Tu sais, des voitures qu'on n'oserait pas se payer ou encore ceux qui vont modifier des voitures jusqu'au point où ils vont y passer beaucoup d'argent. Là, tu vois que je te parle de Hot Rod, l'ancêtre du tuning, puis pour les jeunes, du tuning aussi. Et oui, je vais te présenter des voitures, mais aussi les propriétaires. Eux autres, là, ben, ils vont te l'emmener côté passion puis amour de la voiture. Pour te dire d'où ça vient, toutes mes idées, surtout mon inspiration, écoute, ça vient de loin. Ça vient quand j'étais jeune. Ouais, je te parle de M. Jacques Duval. Là, les jeunes ne connaissent peut-être pas. Les plus vieux, ils le connaissent très bien. Écoute, Jacques Duval, c'est un ancien pilote automobile québécois. C'est le premier à avoir gagné le Grand Prix de Trois-Rivières. Le premier Grand Prix de Trois-Rivières, c'est lui le gagnant, en 1967. Je te dirais que c'est le premier Québécois à s'être démarqué aux 24 heures de Daytona en 1971. Pas n'importe qui, là. On parle bien d'un Québécois. Mais, encore mieux, Monsieur Duval, il animait une émission de télévision qui s'appelait Prendre le volant. Ouais. Prenez le volant. Puis il y avait Monsieur Denis Duquette qui collaborait avec lui. Aujourd'hui, Monsieur Duquette, d'ailleurs, là, il continue l'émission, je pense, à la radio. Il y a des capsules radio, là, prenez le volant. Écoute, à l'époque, une petite anecdote, M. Duval, il racontait, il expliquait les voitures à la télé, un peu comme les chroniqueurs d'aujourd'hui. Par contre, lui, il faisait ça comme par cœur. À un moment donné, il a fait une grosse erreur. Il s'est fait reprocher pas mal. Donc, à partir de ce moment-là, il a décidé de prendre des notes sur des cartons. Ces cartons-là, ben, pour chaque voiture, il mettait ses notes, faisait son émission, accumulait les cartons. À un moment donné, il s'est dit, « Ouais, qu'est-ce que je fais avec les cartons? » Ben, crée-moi, crée-moi pas. Il a créé le guide de l'auto. Eh ouais, c'est le créateur du guide de l'auto. Avec les jeunes, là, vous savez de qui je parle, hein? Écoute, le guide de l'auto, ça fait longtemps que ça existe, mais ça a engendré d'autres chroniqueurs automobiles. Écoute, puis il y en a là-dedans qui m'ont inspiré aussi, là, que j'ai suivi. Que je suis encore. Je te parle de Gabriel Gélina. Elle travaille sur le guide de l'auto. Écoute, un autre aussi qu'on voit souvent, qu'on entend parler, Pierre Michaud. Vous savez, RPM. Qui est-ce qui n'a pas écouté RPM le dimanche? Ben oui. Antoine Joubert. Antoine Joubert qui est encore aujourd'hui, continue, puis on l'entend sur YouTube, mais c'est chronique. Il a fait le guide de l'auto. Il a travaillé là-dessus, lui, ici. Il y a deux autres pour le monde auto des courses automobiles. Bertrand Godin, Carnado, ils ont fait des chroniques automobiles, eux autres aussi à la télé. On les voit encore, puis ils sont encore présents. Puis un petit coup de cœur, je te dis ça parce que j'ai un petit côté qui m'attire à lui, c'est Benoît Charette. Pourquoi je te dis un petit coup de cœur? Écoute, Benoît, je trouve que dans ses reportages ou encore dans ses émissions, parce que oui, Benoît Charette a fait Les légendes de la route avec José Godette. Ça te dit-tu quoi? Te souviens-tu de cette émission-là? Je trouvais ça bon parce que il y avait le petit côté passion puis amour. On dirait que ça transpire dans ses chroniques. Donc, on va aussi essayer de vous présenter d'autres choses. Pas juste des voitures. Je vous l'ai dit, on est au mois de mars. Donc, au mois de mars, on ne peut pas présenter de voitures. Ils sont en hibernation. On va essayer de vous présenter d'autres sujets. Comme l'hiver, peut-être des skidoo, des motos. Des bateaux, je sais pas, on va voir qu'est-ce qui va se présenter à nous. Des gadgets auto, gadgets moto. Donc, vous allez voir, on va essayer de vous trouver du contenu pour vous tenir occupé. Et aussi, je vais vous demander d'être patient parce que moi, faire de la vidéo, c'est pas mal mes débuts. Vous le voyez, je pense que vous vous rendez compte que je suis pas plus à l'aise qu'il faut. On va le donner, ça c'est sûr, on va le donner meilleur. Là, présentement, je vais à l'université YouTube. Ouais, l'université YouTube. Ouais. J'apprends à faire des montages vidéo. Première pour moi, c'est une grosse première. Donc, on va essayer de s'améliorer. Puis, je travaillerai pas tout seul. Je vais essayer d'incorporer quelqu'un qui va me donner un coup de main. Là, elle sait pas trop encore qu'est-ce qu'elle va faire, t'sais. Moi non plus, là. Je vais essayer de voir un peu avec elle.
Quand je dis elle, c'est parce que je parle de ma conjointe, Manon. Ouais. Donc, je vais essayer de vous la présenter. Bougez pas. J'apprends des choses avec la télévision. Vous savez, on peut faire des apparitions. Fait que je vais essayer de la faire apparaître. Donc, Manon. Attendez, ça marche pas toujours. Des fois, ils disent que quand on veut quelque chose, il faut y penser fort puis il faut même le ressentir. Donc, j'y vais. Donc, Manon. Qu'est-ce que je fais ici? Hey, ça a marché! Je suis en train d'expliquer aux gens qui nous regardent que tu étais pour me donner un petit coup de main sur l'émission. Donc, c'est genre assistant de bière, comme dans Gaz Monkey ou. Ou faudrait encore, tu commences à boire de la bière? Oui. Mais ça, peut-être qu'on va y venir. Mais non, c'est ça. Peut-être donner un petit coup de main nouveau. Caméra, jeu de caméra, surtout si on sait que t'es bonne pour critiquer, donc ça va être bon pour s'améliorer. Pas de problème. Parce que je lui ai expliqué aussi que j'allais à l'université YouTube. Hein? Donc c'est ça, donc Manon, je vous la présente, ma conjointe comme je vous disais. Allô, allô tout le monde! c'est elle qui va m'aider dans l'émission, surtout parce que des fois deux mains c'est pas assez, ça en prend plus. Fait que maintenant, on va être mes deux autres mains supplémentaires et aussi mon aide. Ça va me faire plaisir. Ah, ben super! En attendant, vu que je lui ai dit qu'on pouvait pas présenter de voiture, on va lui présenter quoi? Les skidous! La motoneige! Eh oui! Et l'autoneige! Ah oh oui, oui, Monsieur oui. Bombardier! Donc, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous présenter, moi et Manon, cet été, on est allé visiter le musée de J. Armand Bombardier. Donc, on a fait un petit montage, puis on vous présente ça tout de suite. Même à voir en famille. Ah oui. Emmenez vos enfants là-bas, c'est super intéressant. Exact, c'est vrai ça. Super. Dès l'arrivée sur le site, on passe devant le garage original de 1926. Oui, oui, l'original, déplacé sur le site du musée en 1968 et restauré, transformé en un annexe dans lequel tu vas pouvoir voir un spectacle multimédia. Tu vas passer devant aussi la vitrine où il y a plein de plans de M. Bombardier. Dans le hall d'entrée, tu pourras voir la maquette d'un B-12 dont les compartiments moteurs et l'intérieur sont vitrés afin que tu puisses voir à l'intérieur. Par la suite, vous pourrez admirer le fameux B-12 dont l'ancêtre était le B-7. Ben oui, B-7. Pourquoi B-7? Ben pour 7 passagers, B-12 pour 12 passagers. Sur les murs, vous pourrez voir les pièces imaginées par M. Bombardier afin de perfectionner son B-12, aussi appelé l'autobus des neiges. Il aura comme mécanique un moteur industriel T120 de Chrysler de 215 chevaux, lui permettant d'atteindre des vitesses de 48 km à l'heure. Et oui, 48 km à l'heure sur la neige. La production du B-12 se terminera en 1951 avec tout près de 3000 unités commercialisées. Un peu plus loin, tu pourras voir tous les prototypes que M. Bombardier a développés afin d'arriver à son fameux B-12. Nous avons eu la chance de voir le J-5, un Junior 5 pieds. Eh oui, un dérivé du Muskeg pour se déplacer dans les chemins forestiers. Le plus connu est le J-48 pour 48 pouces de large. Et oui, vous le voyez tout l'hiver déneiger vos trottoirs. Savais-tu que Bombardier avait produit la rame du métro de Montréal sur pneumatique MR73? Elle fut produite au nombre de 423 et livrée en 1976 pour les Jeux Olympiques de Montréal. Ben oui, il y a eu des Jeux Olympiques à Montréal. Elle sera remplacée par la rame Azure produite par Bombardier et Alstom. Et depuis, Bombardier ne cesse de se démarquer dans le monde du domaine ferroviaire dans le monde entier. Revenons à ce qui nous intéresse le plus ici au Québec, la motoneige, le fameux skidoo, lancé par M. Bombardier en 1959 après le Muskeg, car M. Bombardier avait commencé à produire ses propres chenilles en caoutchouc. Il était insatisfait de ses fournisseurs, ce qui a permis à M. Bombardier de développer des chenilles plus petites pour concevoir le skidoo. À ce moment, il utilise des moteurs Kohler, puis des JLO, et dès 1963, des moteurs Rotax. Bombardier achètera la compagnie autrichienne en 1970. Au fil du temps, il produira des moteurs pour Aprilia, Sea-Doo, même pour les motos BMW, la F650GS. Croyez-le ou pas, il a même produit des moteurs pour des ultralégers, le moteur 912A. La motoneige ne cessera de se développer pour devenir de plus en plus performante.
Mais à ses débuts, elle ne ressemblait pas du tout à ce que tu connais aujourd'hui. En 1958, elle était faite de bois avec un maigre petit guidon et son moteur Kohler. Elle fut surnommée la boîte à beurre. Eh ben oui, le prototype de Ski-Doo d'aujourd'hui s'appelait la fameuse boîte à beurre. Savais-tu que Bombardier avait aussi confectionné le flambeau olympique des Jeux olympiques de Vancouver 2010? Son design courbé et moderne respecte les paysages hivernaux du Canada. Il fut développé pour résister au dur climat hivernal canadien et pouvait opérer sous la pluie, la neige ou le vent, à des températures de plus 40 à moins 40. En plus, il a fallu en confectionner 12 000 pour pouvoir traverser le Canada. Pas pire? Et c'est ainsi que se termine ta belle visite au musée de M. Bombardier. Hey, j'espère que vous avez aimé la visite qu'on a faite au musée à J.A. Armand Bombardier. En passant, moi aussi je fais du skidoo. Je vous montre ça vite, vite. Hein, non? Ben oui! Oui, hein? Puis juste pour vous dire que le musée est ouvert à l'année. Donc, aussitôt que vous avez un petit, un beau gros 2 heures à passer, là, allez faire un tour, les routes sont belles. Ouais. Je vous présente ça. Moi aussi, je fais du ski-doo. Ça, c'est les skidoo de mon beau-père. Oui, oui. C'est pas des reliques, mais tout proche. Ah ouais, le père à Manon. C'est lui que vous avez vu dans la vidéo. Hey, c'est pas mal terminé. Et oui, oui. Fait qu'on on va vous préparer d'autres choses. En attendant, pensez vous abonner en cliquant sur « S'abonner » et pèsez sur la petite cloche et pour avoir les prochaines émissions. Oui, vous allez avoir un petit avis comme quoi qu'on a posté quelque chose de nouveau, une nouvelle vidéo. Donc, on vous dit à la prochaine! Bye! Merci d'être là! Bye! Amusez-vous bien!